Yo les potes, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc alors les gars, c'est du lourd. Là aujourd'hui c'est l'ouverture de la pêche de la truite. Donc je suis vraiment impatient de pêcher. Voilà, déjà on va commencer par ça. Parce que là en plus, bon, l'intro précédente n'était pas terrible. Du coup je pense qu'elle ne paraîtra pas. Mais j'ai déposé les gars du côté de l'hippodrome. Là, maison de la santé à côté de chez moi. Il y a Mathis et un pote à lui qui viennent de Landelle à l'ancienne, voilà, comme l'année dernière. Donc on espère faire du poisson, voilà, c'est le principal. Là, j'ai pris la grosse épuisette, c'est pas une épuisette à truite, mais bon, c'est pas grave, ça le fait. Comment ça va les gars? Ça va la famille? Voilà, c'est tout en direct là, alors là. Ça va bien ou quoi? Pardon, ouais. Ça va? Ça va bien? Ça va? Ça va Mathis? Ouais, toujours. Bonjour. Ça fait longtemps. Ça fait un bout là, ouais, ça fait bah, un an. Un an, ouais. C'est bon. La fin de l'année dernière, là, on va recommencer. Hein. Ouais, ça marche. Ok. On est prêt? Bah vas-y, allez. Let's go. C'est parti, ouais. Salut, merci beaucoup. Bah, n'hésitez pas à me joindre si vous avez mon numéro ou quoi que ce soit, voilà. Moi j'ai pris mon bigot en tout cas. Merci. Ouais. Merci. Alors, attends. Ouais, en fait on n'est pas en retard hein. Non. Si on peut faire une truite d'entrée de jeu, ce serait bien quoi. Ouais, franchement ce serait bien. Ce serait vraiment cool. Non, vraiment. Bon, allez, je ramène la troupe. C'est horrible. On dirait l'ouverture de carnation, on attend le matin. Mais non mais là, c'est fiévreux, je te jure. Normalement j'avais regardé le truc, t'as le droit à 47, mais nous on attend jusqu'à 50 quoi. Ouais. J'en ai marre. On a l'appli hein, je vous l'ai envoyé de toute façon. C'est le calendrier solaire.fr pour savoir vraiment à la minute près où est-ce que c'est, à quelle heure se lève le lever du soleil. Donc ouais, là, c'est 20. Voilà, il fait jour quoi. 20 secondes. Oh, c'est horrible. 20 secondes, j'en ai marre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh, yes. Allez, 50, hop. Ah ouais, moi je suis de l'autre côté aussi. Il y a plus de courant par là-bas. Tu es déjà lancé dans un arbre. Ouais, je sais, c'est un peu complexe. Il n'y a pas vraiment de lumière de ce côté-là. Surtout quand il fait plus sombre. T'es à la cuillère? Non, je suis au petit diac. Ouais, on doutait. En fait, en revenant dans la canne, le fil il a pris dans la. Dans les. Là. Là. C'est bon. Ouais, d'accord, c'est bon. Tu parles, regarde. Faut que je refasse en bas de ligne. Oh non. Il va casser. Oh regarde, non. Regarde. Oh non. Si. Oui. Ça commence bien. Du coup, vraiment, là-bas, si tu laisses partir un leurre flottant, même en été, c'est une boucherie quoi. Ouais. Bah non, moi je suis. Une fois, je me souviens, quand j'ai découvert ce spot, en fait, j'avais une amie qui habitait en face, pas cette résidence-là, mais en face. Ouais. J'ai fait une truite de 50 sous son nez. Donc je te jure, en plus elle pêchait pas, elle savait pas ce que c'était, tu vois, une truite ouais. de 50. Ouais. Sauf que j'avais mis un leurre en 38, tu vois, les tout petits leurres là, les Tiny Fry 38. Ouais, c'est bah ouais, c'est pas gros, et puis elle me l'avait sagouiné la pauvre bête là. Ah, je te jure, je l'ai remis à l'eau. Hein. Ouais. Je l'ai remis à l'eau, hein. elle était énorme. Hein. Oh purée, ça c'est beau ça. Ouais, puis c'était des années. C'était même pas. C'était encore avant le Covid, donc voilà. Ah oui, d'accord. C'était une Fario ou une arc-en-ciel? C'était une Fario. Ah ouais. Il n'y a pas d'arc-en-ciel ici. Ça me ferait mal. Je lance, en plus j'ai trop de la chance. Je lance au-dessus d'une branche. Ouais, voilà. Du coup, le verre est tombé à ça dans l'eau. Et là, je la truite. Bah, elle chope le rock vibe et puis elle était énorme. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Bah, 47, c'est l'objectif. Hein. Ah bah ouais. C'est là aujourd'hui, si on peut en faire une de ce calibre là, on est content. Ah ouais, moi je veux déjà en faire une. Non, mais l'année dernière c'était pas facile, mais là il fait beau là. Ouais. Aujourd'hui il va faire beau, du coup ça va être bien. Regarde, moi j'ai pas pris de manteau. Hein. Non, de toute façon je suis pas frileux. Moi c'est pareil, moi je suis en. Puis là il fait 5 degrés, ok, d'accord, mais tu vas voir, courant de la journée là, ouais, en plus les perches elles vont se réveiller, ça va être une tuerie. Ah hein. Ouais. De toute façon, moi je pêche pas la perche aujourd'hui. Moi je sais la truite. J'ai décidé, ouais, vraiment truite moi. Je dis pas non, s'il y a une perche. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a que des perches? Il fait 100 perches dans tout ça, genre. 100 perches? Ouais. 100 perches dans l'iton. Et 50 trucs. Ah ouais, d'accord. Ok, bah. T'as fumé en couleur là. Ouais, c'est pas cool. Mon record en nombre de truites c'était 22. 22 en une journée? Ouais. Même pas en une heure. En
Ouais, je te jure, non, c'était n'importe quoi, c'était délirant. C'était une période de fou. En fait, quand t'as le droit de faire du wedding, voilà ouais, quoi, c'est le wedding, ça t'en fais 22, mai, c'était avec Arturo et Brice. Enfin, Brice en l'occurrence, ouais. Le petit frère. C'est à partir de mai le. Le wedding, c'est à partir de mi-mai. Mi-mai, c'est ça. Bon, ça, là, c'est interdit de descendre dans l'eau, même pour aller chercher des leurres, t'as pas le droit. Ouais. Parce que les ombres communs, ils frayent en fait. C'est ça. Ouais, j'ai. Let's go, ma brune. Non. Truite. Let's go. Oui. Bien joué. T'as mis une belle touche. T'es à ça que ça sert la grande épuisette là. Impeccable. On veut prendre une petite photo. Oui. Ah, génial. Voilà, impec. Allez. Bon, première truite, impeccable. Impeccable. Attends, toc. Hop, vas-y. On la mesure ou pas? Ouais, je vais bien parce que c'est. Vas-y, pose là dedans. Ouais, vas-y. Oui, de mettre. Moi j'en ai un. Bah vas-y, attends, je te le pique. Il est où, en haut? Petite poche. La poche du haut. Oui, exact. Oh, t'as mis une vraie touche par contre dans le courant. Je la mesure. Tiens bien ça là. Là, attends. 25. Là, attends, là je suis au 0. 0. Quasiment 26. 24, 20, 25 et demi, disons. Allez, hop. Vas-y, release. Prends-la à la main et on la fait peut-être la première vers le bas. Ça sera plus simple. Hop, allez, vas-y, doucement. Ouais, très bien. Vas-y, impeccable. Oh yes. Impeccable. Rudy. Ça va, Léo ? Ouais, doucement. C'est le kiff ? Non, ça doit être une perche. Tu droite ? Ouais, je vais la passer. Rikiki. Et Rikiki. Et pas capot. Impec. Bon, bah, premier poisson pour moi. Deuxième lancé. On a vraiment fait deux lancers à gauche, deux poissons. Tu me prends une photo? Vas-y. Vas-y. On t'a mesure. Vas-y. Non, ça sert à rien. Lève-toi, ce sera plus simple. Petite yes. Truitelle. Allez, vrai. Hop. Release, oh, pareil. Plaisir, hop. Allez, hop. Release. Impec. Pas capot, ça fait du bien. Bien, ouais. Yes. Ouais, elle est toute petite, par contre. Ouais, allez, c'est ça qui est bien. Je les adore, les truites qui sont plus petites. Ça veut dire qu'il y a de la repro. Vas-y, fous-la dans l'eau. Tu vas la relâcher directement. Ça marche. Bah, t'es sûr que tu veux pas une photo? Non, t'inquiète. Ça marche, ok. Ok, tiens, attrape. Prends une photo avec une autre. Merci beaucoup. Yes, on voit là, ouais. Je la réoxygène un peu d'abord. Ouais, bien sûr. Je veux juste qu'elle se réoxygène avant de la relâcher. Ouais. C'est juste ça. Parce que là, voilà quoi. En plus, on l'a laissé un peu en dehors de l'eau, du coup, c'est chiant quoi. Vas-y, je la remets à l'eau. Elle me belle. Allez, hop. Ouais, très bien. Ouais, voilà, très bien. Ouais, impeccable. Parfait. Yes. Ouais, bien joué, Mathis. Hein. Nickel. Bien joué à toi. Tu l'as ? Ouais, bien. Ouais, bien. Fais gaffe à la canne. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Bien. Ça marche. Oh ouais. Tu peux m'aider à la défense. Ah ouais. Elle est jolie en plus. Pour l'instant, moi, on va la mesurer. T'as le mètre de tout à l'heure ou pas? Ah oui. Tu l'as? Attends, fous-la dans l'épuisette quand même. Ouais, j'avoue. Laisse-la un peu tremper dans l'eau, vas-y, va la mettre en bas. Il l'a oublié là-bas, l'espèce de mettre en rouleur. C'est pas grave, c'est normal, je lui ai pas rendu. Putain, vas-y. Non. Va la foutre dedans, t'inquiète. Putain. Elle est là. Impeccable. Ouais. Vas-y, fous-la dedans. Très bien. Let's go, ça. Bien, mon gars. Bien. Associé. C'est cool. Ouais, c'est bon, j'ai. Première fario, c'est beau. C'est bon, tienne est un petit peu plus grosse, bon, quand même. Ouais. Un peu plus rondelette. Vas-y, fous-la là-bas. Belles, on va les remettre à l'eau, mais ouais, il faut qu'il ramène sa toise. Ah, c'est bon, ça. T'as la toise? Bon, allez, vas-y. On va prendre la toise. Ouais, t'as qu'à mesurer celle-là. C'est quoi ton prénom, mais... Tu fais là ou pas? Hop. On va prendre la grande d'abord. La grosse, la tienne. Vas-y. Alors attends. Que j'ai fait à la ça fait 28. Ouais, quasiment. 28, regarde, il y a le... Ouais, t'es très proche des 28. Ouais, 28. Allez, hop. Magnifique. L'autre, elle doit faire 26, je pense. GG. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. Non, dans l'autre sens. C'est lui. Tu penses? Non, 25. 25 25. Putain. Allez, 25. Oh, allez, 27, 28. Ah, j'ai pas une photo sur la toise. Oh, ah, c'est pas la mort, on s'en fout de la toise. On se souviendrait. C'est beau. Attends, bravo les gars. Mouille-la un peu, Léo, mouille la toise un peu. Yes. Mouille la toise pour la nettoyer. C'est fait. Non, mais pour la nettoyer.
Ça sent le moucous. Ah bah, oui. De quoi là ouais. c'est pas fermé du tout. Pas fermé du tout. Là, tu peux descendre loin, hein. Tu peux aller jusqu'à Gravigny ici. Donc là, on va aller à l'espace Saint-Léger après. Oh, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Oh, purée, tiens-moi ça. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Non, bah tiens, allez. Oh, purée. Puis elle est vénère. Hein. Elle est vraiment vénère. Ouais, vas-y. Elle est piquée par la queue. Je. Ah, tu la reprends. Oh, merde, vas-y, vas-y. C'est bon? Yes! Bien joué. Oh bah merde! Elle a loupé sa attaque, son attaque! C'est pour ça qu'elle m'a pas vraiment mis de touche! Wow. Oh merde! Elle est un peu plus rose déjà! Ouais! Elle est belle! Elle est belle! Elle est belle, elle est belle par contre! Tiens-moi ça! Ouais! Ouais, moi je crois que j'avais. Trop chelou! Trop chelou! Merci, c'est cool! Loupé! Oh dommage. 25 à peu près, allez. Ouais. Hop, allez. Elle est déjà plus grosse. Ouais, ouais, elle est un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Oh, il est déjà tellement en train de lancer. Loupé le long du bord. Ouais. Ouais. Elle a retapé en plus. Hein. Mais j'ai plus de ouais. C'était beau en plus, hein. C'était beau. Hein. Oh, le nœud de bâtard. Bon, en gros, ça m'a fait un nœud. Oh, on va pas recouper, je pense. Pourquoi? Ça m'a fait un nœud de bâtard. Ah, c'est une perche? Ouais, j'ai senti rien le nœud. Le nœud fou. Mec, j'ai pas de chance avec les nœuds. Des barres, je te jure. Non, mais c'est n'importe quoi. Attends. Bref, les gars, alors, c'est Pépite. Je vous fais écouter un message vocal. C'est Pépite, là. Ok. Bah, on va relever le niveau, alors. Clairement. On a fait 6 truites, tout au l'ordure. Et c'est n'importe quoi. Là, on est dans Évreux. On pêche street fishing, que au l'ordure, la truite quoi. Et d'ailleurs mon pote a failli faire gamer les macanes en parlant de ça. Bref. Ça part en sucette. T'inquiète. bref, c'est Pépite. Du coup, voilà. C'est Pépite. Bon alors les gars, il fallait que je vous annonce quand même qu'on a fait tous du poisson ici. Donc c'est bien. Ouais, je suis content. En plus, donc, vu que je vous en ai pas parlé dans le post précédent sur l'onglet communauté, je vais pouvoir l'annoncer comme ça en direct de la vidéo que vous venez de regarder. Je vais faire gagner le meilleur leurre que j'aurais utilisé pour pêcher la truite aujourd'hui. Donc, pour le moment, c'est l'original flottant de chair Apala en 5 cm. Parce que vous avez vu, voilà, je l'ai fait ce matin. Mais je vais essayer d'améliorer le concept. Donc là, pour le moment, je pêche côté préf d'Evreux avec la même équipe. Et du coup, ce que je pense que je vais faire, c'est que si vous voyez un deuxième poisson de ma part, je vous ferai gagner un autre leurre que ça. Parce que c'est un hameçon simple sans ardillon, là, pour l'original flottant de chair Apala que j'ai. Donc je vais essayer de faire un deuxième poisson et vous le faire gagner. Voilà, ça marche. A plus les gars, participez et puis que la force soit avec vous pour l'ouverture. Bon appétit. J'ai zappé de vous dire... Non, tu l'as dit. J'ai zappé de vous dire ça, mais voilà. C'est bien de manger à la pêche. Pas vrai, hein? Franchement... Tu tacos pépère là. Tu tacos pépère, un pépère. Quand on est avec Léo, on mange bien. 10 euros. T'inquiète pas, tout va bien. Hop, allez, vas-y. Toc. Yes, je vais te déramer à l'impasse par un droit de. Ouais. Je devrais te faire la bouffade sur les dents. Ah ouais, il est beau. Oh, elle est belle. Ah bah, je vais te déramer. Elle est plus belle que ce que je pensais. Ah ouais, tu l'as piqué. Ah bah, je l'ai piqué. 34, moi. Donc, je vise. Je me suis fait couper. Ah merde. D'accord. Tu vises combien, Léo? Moi, je vise 34. Ouais, ça marche. Ah, il a fait vas-y. Une perche. Il a fait une perche de 30, un peu plus. Ouais, 34, moi, je dis. Faites un pari sur la perche. 33, moi. 33, moi, je dis. Moi, je prends 34 centimètres. Léo, c'est bizarre. Léo 33, 32. Ouais. Ça a fait médiane.
Vas-y, attends, je te... Attends, ma canne. Comment ça, elle est plate? Toc. Comment ça, elle est plate? Genre, elle a un gros bide. Ah, Léo. Attends, oui. Ah. Tiens, attends, tiens-moi le rock vibe. Ouais, toc. Attends, toc. Je sais pas. Prends une photo, moi. Attends, bouge pas, je te rappelle. Attends, je te rappelle. Ouais, elle doit faire 32. Moi, je dirais 32. Tu l'as fait avec quelle heure? Non, peut-être même pas. 30. Attends, vas-y, montre. Inch'Allah. Bon, voilà, on va bien voir le spot, bien cramé, cafétéria derrière. Allez hop, baisse-toi, baisse-toi un peu. Que j'en... C'est qui l'a fait? Bah, c'est toi. Ah, ok, bien. Ou l'ordure. Putain. Très bien. On est bon, on la relâche. Vas-y. Une pirouette. Une pirouette. Voilà. Hop, et là, regarde la belle. C'est quoi? Une belle truite. Bah oui, putain. Elle faisait pas loin de 40, je pense. Oh non, tu la décrois? Si, justement, après t'as trop ferré, de toute façon. Moi j'ai cru que t'as accroché. Putain! Oh, c'est un joli poisson. Bah, ça marche, hein! Au leur souple? Ah ouais, avec mon leur dur? Ouais. Putain, bien. Monsieur Toto, l'invité surprise, qui nous rejoint. Ça va-t-il, Toto? Eh, tu rentres dans l'épuisette ou pas, Toto? Tu rentres dans l'épuisette ou pas? Un peu de calme, les enfants. Les potes, bon, on n'a pas fait beaucoup de poison, contrairement à Célian, par hasard. Ouais, je suis content. Oh, t'as un premier bruit, hein? Bah, franchement, personne n'est capot, donc c'est non, bien, déjà. Moi, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai fait 4 poissons, c'est pas mal. Ouais, puis toi, t'as fait... Ouais, voilà. Moi, j'ai Il y a juste une truite que j'ai pas vue en vidéo parce que j'étais pas là. Ouais. Mais voilà. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, une bonne saison de la truite, voilà, tout simplement, et puis ben, on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est ce que, j'ai plus d'épuisette, hein, les gars, hein. Donc rip l'épuisette, voilà, je prends une photo, et c'est une perche? Non, c'est une truite. Ah, c'est une truite. Ah, mais l'orange que j'ai mis, c'était ton l'air, ok. Elle est belle? Ouais, elle est belle. Franchement. Ouais, elle est jolie. Elle fait un peu 30, à peu près. Bon, allez. La release de cette beauté. Allez. Même pas pris de photo. Allez, hop. On va grandir. Hop, au revoir. Allez. Attends, je la reprends.